L'autre il va ressauter à la fenêtre. Ah bah ça fait des blagues maintenant. Putain mais c'est pas possible. Tu parles d'un commissariat? C'est dans cette ville industrielle au cœur de l'Amérique que se rend Claire Redfield. On n'a pas le droit de lire l'histoire. Ah bah comme ça. Je te jure que c'est vrai, ok? J'ai vu ça de mes propres yeux. Oh mais je te crois, tu sais, je te crois. Allez, raconte-nous, on veut tous les détails. Ok, donc, c'était vendredi soir dernier. Alors que je rentrais du bar, et cette femme a commencé à venir vers moi. La façon dont elle titubait, je me suis dit qu'elle était bourrée. Ok, dis la vérité, t'avais vu combien de verres dans l'histoire? Mec, je t'assure, j'étais quasiment sobre. Et bien sûr. Écoute-moi, d'accord? Quand elle s'est approchée, je l'ai bien regardée. T'aurais dû voir ses yeux, son nez, tout son visage. On aurait dit qu'il pourrissait. On aurait dit un cadavre. Il est dégueulasse, son burger. C'est le burger, le cadavre. J'ai la même à la maison. Il est moche. J'ai jamais vu de pareil. J'arrive plus à dormir depuis cette nuit. Allez, détends-toi, tout va bien. Bon, écoute, tu dois rester fort, ok? Laisse pas la peur t'envahir, d'accord? Ouais, ça je te le fais pas dire. Reste paralysé devant ces choses, elles en profitent pour mordre. C'est pas vrai, ça devenait intéressant. Je crois. Bah, je crois qu'elle est morte. Oh maman, tu vas mourir. Bah, merci Dess, hein. Je pense que là je le savais. Hein. Au visage, la meuf. Bonjour. Ouais, j'ai pas de carnet. Oh, j'aurais dû mettre un petit cuir rouge. Tu me connais, ça va aller. Ça marche. Je reviens dès que j'ai trouvé Chris. Oh, bah tu vas pas être déçu, hein. Je pense que okay, tu vas pas trouver que Chris. Pourquoi est-ce que tout le monde s'inquiète pour moi? Parce qu'il va y avoir une journée de merde, ma grande. C'est quoi ça? Yo, sir. Eh oh. Y'a quelqu'un? Là, sur ma gauche, j'entends clairement un mec. Voilà. Est-ce que ça va? Bah, est-ce que ça va? Vous croyez? Il a la gueule à aller bien, le mec, là? Il va bien? Restez ici. Je vais jeter un œil. Bouge pas, je te dis! Excusez-moi, mais tout va bien? N'approchez pas! Ah, la gueule maintenant! La gueule! Il est terrifiant! Ne t'approche pas de moi! J'ai pas de balle. Si on s'en sort. Quoi? Oh mon dieu. J'ai pas de balle, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai pas de balle.
Accroche-toi. Bah c'est très bien. Bah voilà. Fin du jeu, on rentre chez nous. On peut plus reculer là. Je pense qu'on est sur une bonne dynamique. J'avoue un teaser, j'avoue. Enchanté Marvin. Oh. Ah. Oh. C'est possible ça? Hein? C'est possible. Et là. Bah à ton avis. J'angoisse, je suis pas bien. Je suis grave angoissée. Je sais pas si vous voyez. Oh! Barre-toi. Ça va mieux, je vais sauvegarder. C'est pas grave si je meurs, voilà. Ah merde. Bah ça j'ai pas. Oh putain! C'était quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non. Moi je pense qu'il y a des concessions qui peuvent se faire. Dans ce. Voilà, je pense que chacun doit y mettre du sien, tout autant la communauté que le streamer. Et je me dis que finalement, dans la globalité, je pense avoir fait pas mal d'efforts durant cette soirée quand même, et je pense que vous n'en faites pas beaucoup. Et du coup, moi, ça, voilà, ça me dérange déjà assez d'avoir des bestiaux comme ça bah, qui se réveillent alors qu'ils étaient en plein sommeil et qui te volent à la gueule des suceurs de sang, des pompeurs de drain. Mais alors, par contre, d'avoir des trucs qui marchent au plafond et contre les murs, là, ça commence à m'embêter, littéralement. Te voilà. Approche. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde ça. C'est pas vrai, il est vivant. Tu le connais? Oui, c'est Léon. C'est mon mari. Kennedy, je crois. C'est mon mari. Le nouveau.
Il me disait quelque chose. Je comprends mieux pourquoi il a pas voulu y aller. Tu peux accéder à cette cour via l'étage supérieur, côté est. Ok. Merci Marvin, j'y vais. Où tu vas ressauter à la fenêtre? Ah bah ça fait des blagues maintenant! Putain, mais c'est pas possible! Tu parles d'un commissariat? Il y a un bruit d'hélicoptère. Je sais pas si vous entendez, mais il y a vraiment un bruit d'hélicoptère. Ah, j'ai eu peur. Ah bah oui, c'est ça, c'est un hélicoptère. Sortie, on se barre. Hé hey Claire. Léon, j'arrive tout de suite. Mon amour, je suis là, attends-moi. C'est bon, nous allons reconquérir le monde ensemble. Bah, monsieur, je crois qu'il a cramé. Merde. Ah. Léon, faudrait qu'on arrête de se voir comme ça. Tout va bien? L'hélicoptère, il a surgi de nulle part. Ouais, ça va. Je suppose que t'as pas la clé? Non, je l'ai pas. Mais je suis contente de te revoir. Tu tiens le coup? Bah, on fait aller. Sacrée nuit, hein. Meuf. Et ton frère? J'ai appris qu'en fait, il... Moi qui pensais que ça pouvait pas être pire. Oh, le bruit en plus. Léon, tu ferais mieux de partir. Non, Léon! T'inquiète pas pour moi. Essaie de te mettre à l'abri. Léon, je plaisante pas. La clôture va pas tenir. Vite, va-t'en! S'en sortira. Tous les deux. Mais c'est une catastrophe! Oh! Mais qu'est-ce que c'est pas normal, ça? C'est pas... Oh, putain! Putain, c'est quoi, ça? Ça va vers moi! Ah! Ça crève pas? Mais vite! Oh, oh maman! Maman! Je vais à l'hélico. Crevé techniquement, il est mort là. C'est bon, je l'ai tué. C'est bon. Ouh. C'est Venom en fait le bordel. Bon allez, vous savez quoi les copains? On va s'arrêter là pour le coup. On aura joué 2h17. Apparemment, mon jeu, c'est pas mal.